On se trouve présentement à la marina de Baie-Comeau. On s'en va pêcher sur l'estuaire du Saint-Laurent, le poisson de fond, donc une pêche en eau salée. C'est une pêche qui est différente de ce qu'on fait normalement en lac ou en rivière. On s'en va viser principalement la morue Ogak, la morue franche, le sébaste et peut-être aussi la chance d'avoir quelques barreilles au passage. Au niveau des conditions météorologiques, aujourd'hui, annonçait une journée sans vent. Malheureusement, on a quand même un petit peu de vent, donc j'ai hâte de voir là, comment ça va se passer un petit peu plus tard dans la journée. Risque d'avoir un petit peu de vagues, mais ça, bien, ça fait partie des risques du métier. Présentement, on est à la mi-septembre. La pêche se termine exactement dans 2 semaines, donc on est dans les tout derniers milles, mais on va essayer d'en profiter au maximum. Arrivé sur le premier endroit où on va pêcher aujourd'hui. C'est un endroit qui est super intéressant. Il y a énormément de courant et le poisson s'accumule ici à ce temps-ci de l'année. Donc, on descend la ligne dans le fond et on s'en va essayer ça. Ce qu'on prend pour pêcher le poisson de fond ici en eau salée, c'est vraiment un petit leurre de plomb comme ça. Donc, c'est vraiment très simple. C'est un leurre là, qui a vraiment une forme là, qui est assez allongée. Le but derrière tout ça, c'est qu'il va moins avoir tendance à capter le courant. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est un plomb qui a environ, je vous dirais, là, pas tout à fait 3 onces. Donc ici, pour le courant qu'on a et pour les profondeurs qu'on va pêcher, là, c'est vraiment l'idéal. Il se fait en différentes couleurs. Je vous avouerai que j'ai eu du succès dans cette couleur-ci. Sinon, en bleu, rose aussi, là, c'est intéressant. Mais la couleur importe peu. C'est vraiment le but, c'est vraiment d'aller taper le fond le plus possible, qu'on reste vertical avec le bateau. Et c'est vraiment là qu'on va maximiser nos chances de succès. Voilà. Et voilà. Oh! Ça semble vraiment d'être un beau poisson. Il vient d'arriver, ça fait 2 minutes qu'on pêche. Super intéressant, je viens juste d'arriver. Le leurre touche le fond. Oh oui, belle morue. Et voilà, belle morue franche. Morue franche, là, je vous dirais environ peut-être là, 3-4 livres. Il y en a des beaucoup plus grosses que ça, mais c'est super intéressant. C'est des poissons qui se tiennent en banc. Donc, de manière générale, là, s'il y en a une, il va fort possiblement en avoir d'autres. Donc, on peut reconnaître la morue franche là, avec, si vous voyez ici, la ligne latérale blanche sur le côté. C'est la morue aussi qui est consommée commercialement. Celle que vous allez retrouver là, dans les poissonneries. Présentement, la pêche à la morue franche est ouverte. Donc, j'ai le droit de garder 5 morues comme celle-ci. Mais là, on vient de commencer, donc je pense que celle-ci, on va la gracier, la remettre à l'eau. Excellent! Excellent! Premier poisson. On met ça à l'eau, c'est sûr qu'il y en a d'autres. Donc, cette saison-là, j'ai pris quand même des sébastes plus petits, donc c'est super intéressant. Donc, ça démontre que la population est en santé, qu'il y a une bonne nouvelle génération qui s'en vient. Mais par contre, on veut vraiment pas prendre des petits sébastes parce que les petits sébastes, je vous dirais, là, d'environ cette longueur-là, peut-être environ une dizaine de centimètres, 10-12 centimètres, le sébaste peut avoir 4-5 ans. Bon, et voilà. Donc là, j'ai un poisson. Ça donne quelques petits coups de tête. Mais ça me surprendrait pas que ce soit un sébaste. Justement, mais de taille peut-être un petit peu plus gros que ce que je mentionnais. Deuxième poisson de la journée, celui-ci un sébaste après peut-être 2-3 minutes après avoir pris la morue franche. Je vous
venais de le dire que je croyais être dans un banc de sébaste. J'avais quelques petites touches. Et finalement, celui-ci, là, très beau spécimen qui a mordu. C'est un poisson qui est excellent à manger. C'est une chair blanche. Chair blanche qui fait le bonheur, je vous dirais, là, des gens au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui pêchent sur le fjord. Et ici, on est chanceux, il y en a en quantité. Donc, super intéressant. Si vous regardez aussi au niveau des yeux, donc les yeux sont assez exorbités. Ça, c'est dû notamment là, à la profondeur dans laquelle je l'ai pris et à la vitesse que je l'ai remonté. Donc, malheureusement, c'est un poisson qui ne survit pas à la remontée. Donc, c'est pas des poissons qu'on peut remettre à l'eau. Mais c'est pas grave, on va, je pense, faire un bon petit lunch avec. Une fois, un autre beau poisson. C'est pas compliqué, là. Aussitôt que je touche le fond, c'est quasi instantané. Et voilà. Voici une morue Ogak. C'est pas un monstre, je vous dirais peut-être environ 2 livres et demi. Peut-être trois en poussant un peu. Mais c'est super intéressant, encore une fois. Troisième poisson de la journée. Troisième espèce. Donc, la variété ici, là, c'est impressionnant. C'est pas gênant du tout. Donc, ce poisson-là, on va le remettre à l'eau. C'était violent, ça a attaqué le leurre là, de manière vraiment agressive. Une autre petite morue franche, donc. Vraiment pas énorme, mais elle a donné tout qu'un combat. Elle était super agressive. Je pense sincèrement que c'est la plus petite qu'on a pris aujourd'hui, mais vraiment violente. On va se dépêcher à la remettre à l'eau. Je vais pêcher. J'ai l'impression que c'est peut-être un petit sébastien. Un petit peu, je vais changer ça. Là. Donc, comme je vous mentionnais tout à l'heure, ça, c'est exactement le... C'est un petit sébaste, mais c'est exactement la taille qu'on veut pas prendre. Pourquoi? Parce que c'est un poisson qui a une croissance là, extrêmement lente. C'est des poissons qui peuvent vivre jusqu'à 70 ans. Donc, un poisson, je vous dirais, de cette taille-là, va peut-être avoir environ 5-6 ans. Et malheureusement, on ne pourra pas le remettre à l'eau parce qu'il ne survivra pas. Donc, on se doit absolument de le consommer. Je trouve ça dommage parce que ben ça fait mal à la ressource. Hein? Par contre, il va être consommé, donc il ne sera pas perdu. Sauf que ce qu'on va faire présentement, souvent, c'est des poissons qui vont se tenir en banc de la même grosseur. Donc, ce qu'on va faire, là, je vais vraiment me tasser le bateau. On va changer d'endroit pour s'assurer de ne pas prendre d'autres petits sébastes de cette grosseur. Incroyable. Je sais pas c'est quoi, ça doit être possiblement une belle morue. Oh ouais. Regardez la taille, la morue, oh, gars.
Mais je vous dis, vraiment une belle morue. La largeur de la tête, impressionnant. La bouche a quand même des bonnes dents aussi à cette grosseur-là. Wow! Quel beau poisson! Ouh! C'est peut-être pas un de mes records personnels en termes de morue ogak, mais honnêtement, là, c'est une des belles que j'ai pris. Vraiment, vraiment bedonnante. Wow! Beau poisson! Il faut faire attention aussi des sébastes, là. C'est juste ici, là, ça peut quand même être assez piquant. Et tout juste ici. Donc encore un endroit là, où parfois, lorsqu'on le manipule, il faut faire attention un petit peu. Mais sinon, ça n'a pas de dents. Donc on peut tout de même le manipuler assez facilement. C'est ce qu'on appelle ici un chat-boisseau. Il y en a qui appellent ça un crapaud de mer parce que c'est pas c'est pas très joli. Celui-ci, là, les couleurs sont un peu ternes, mais sur certains là, qu'on peut prendre parfois, il y a du rosé, de l'orangé aussi. Donc, il n'y en a jamais un qui sont pas... il n'y en a jamais un pareil. Donc, ça, c'est intéressant. C'est un poisson qui se mange. Celui-ci, là, il est beaucoup trop petit, mais quand la taille est un petit peu plus imposante, on est capable de faire là, certains filets là, dans la partie de la queue ici, là, sur le côté. Donc, tout de même intéressant, une autre espèce, une autre variété. On va remettre ça à l'eau. Super après-midi de pêche en eau salée sur le fleuve Saint-Laurent. Plus précisément, on est allé à l'est de Franklin, dans le secteur de Pointe-à-la-Croix. On a fait vraiment une très belle pêche. Morue franche, sébaste et possiblement ma plus grosse morue ogak à vie. Donc, c'est toujours un paquet de surprises qu'on va avoir toutes les fois qu'on va se présenter ici sur le fleuve Saint-Laurent. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de permis de pêche pour pêcher le poisson de fond ici sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, simplement avoir un bon équipement, une embarcation, et c'est sûr et certain que vous allez avoir beaucoup de plaisir.